22 mai 1968, 3 heures de l'après-midi. Le printemps qui refleurit fait transpirer le macadam. Sur l'autoroute de l'Ouest, un séminariste à moto, et j'ai bien dit à moto, roule à toute allure vers un point non défini. Le porte-bagage, le Saint-Esprit, qui jusque-là était resté bien sagement assis, se coince soudain l'aile gauche dans les rayons de la roue arrière. Trois fois. Le séminariste perd le contrôle de sa motocyclette et vient percuter de plein fouet un pylône garé en stationnement illicite sur le bas-côté de l'autoroute. À ce même moment, un Chinois de Hambourg, déguisé en touriste américain, au volant d'un cabriolet de 22 chevaux immatriculé en Espagne, se dit qu'il lui faut porter secours à ce séminariste. Mais bientôt, cette idée lui paraît ridicule, étant donné, petit a, qu'il ne roule pas sur la même autoroute, petit b, qu'il n'est pas au courant de cet accident. Et ce fut sans doute l'événement le plus important de ce mois de mai.